Ok, donc épisode 4 sur Skyrim, bonne nouvelle, ma capture vidéo a marché, enfin j'ai pas foiré le truc, donc c'est cool. Donc on se retrouve ici, j'ai pas encore débloqué le lieu mais bref on y est, pour poursuivre notre quête avec Logob. Alors le truc c'est que voilà, je resitue, RP oblige encore une fois, on est dans l'immersion et ça m'amuse bien d'ailleurs. On est niveau 7, il faut que atteigne le niveau 10. Arrivant au niveau 10, il faudrait que je me trouve à Solitude, c'est pas trop mal je pense. Genre là on est encore un peu en cavale mais on peut quand même bien se planquer je pense dans le petit village. Visiblement il y a une quête là qui peut, enfin je pense qu'on peut trouver une quête ou deux pour monter un peu de niveau donc ça tombe bien. Et on va pas y rester longtemps trop non plus. Techniquement on a une prime au cul, voilà, donc, là, on sait pas trop ce qui se passe. Folpertuis, ah oui Folpertuis. C'est pas trop ce qui était écrit sur le panneau mais bon. Sale mercenaire, hors de ma mine. Surveille ta langue. Qu'il n'y a aucun parjure ici. Ah bah les parjures encore. Et quand ça, je vous prie, quand j'aurai vendu mes terres au sang d'argent. Vous avez commis des crimes contre Bord de Ciel et ses habitants. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Mais putain. Ça peut s'arranger. Je prends le large. Mais. Une bagarre. Ça me met un peu dans. Alors attendez. Parce que je sais même pas si je suis en mesure de le tuer lui. Putain! Bah eh ben, il m'a reconnu, c'est. C'est tout ce que vous savez faire! On fait ce qu'on peut avec ça là. Hein. Voilà, Berserker. Ah putain, il se soigne. Voilà, bon, ok. Ouais. Je travaille à la mine. Bon, visiblement, ils s'en battent les couilles. Le problème, c'est que. Ah putain, bon, attendez. Ça va pas. Ah, misère. Parce que, ok, je suis cherché, mais comment lui, il peut savoir que c'est moi, quoi? Ou alors, il. Faudrait que, genre. Vous savez quoi, je vais essayer de me barrer. Enfin, genre, aller plus loin dans le petit village pour pas qu'il interagisse avec moi. Genre, eux, ils parlent, alors ils parlent les parjures encore, toujours et encore les parjures, quoi. Hors de ma mine. Surveille ta langue, indigène. Parce que là-bas, il va arriver, là. Quand nous serons sûrs qu'il n'y a aucun parjure ici. Oh, et quand ça, je vous prie. Pas genre une taverne un peu pépouze, là. Mais sans d'argent, vous aurez une offre très généreuse. Bon, eux, ils se disputent. Je guette juste le garde en fait. Ah putain, il arrive. Oh mon dieu. Oh merde. Est-ce qu'il n'y a pas genre. Ah putain! Pas un pas de plus. Pas bête, mais suivez-nous. Nous garderons tous les objets que vous avez volés et vous pourrez partir. Je suis juste curieux de savoir où est-ce qu'il m'emmène en fait. Payer votre libération, bien sûr. Parce que j'ai pas assez de thunes. Putain, est-ce qu'il m'emmène à Cinna? Ce serait drôle. Putain, il fallait qu'il le garde, quoi. Ouais, non, faut que genre que j'aille plus loin et pas qu'il me trouve, quoi. Ah putain, merde. Après, on peut se dire, ouais, ok, il m'a repéré avec ma tenue, quoi. Mais ok, on se retrouve là, quoi. Lol. Ouais, non, ça fait pas de sens. On va pas retourner à Markarth, quoi. Bon, attendez, on va y arriver. Faut juste pas qu'il nous repère, quoi. Juste pas qu'il nous repère et ah fait chier quoi. Parce qu'encore qu'il nous repère plus tard, je dis pas. Et là je le fight et d'ailleurs ça peut être une raison du fait que je fuis en fait. Mais là je viens d'arriver, comment il peut savoir? Enfin je veux dire, Internet n'a pas été développé en bord de ciel. Il peut pas regarder sur Twitter, sur Instagram, ouais, Logob s'est enfui de la mine de Cinna, hashtag parjure, hashtag rançon sur sa tête. Ça fait pas de sens. Mon dieu, le sens. Le sens est tellement précieux. Donc. Folpertuis, très bien. Hors de ma mine. Surveille ta langue, indigène. On va pas voir s'il n'y a pas une baraque là dans laquelle je peux me planquer.
putain, et... Elles sont toutes fermées, quoi. Putain. Vas-y, on va leur parler à eux, là. Vous n'êtes pas d'ici, et je n'ai rien à vous dire. Ok. La mine qui produit est fermée, et il n'y a pas de minerai dans l'autre. Les dieux m'ont maudit. J'irais bien y faire un tour à l'intérieur. Je regarde si le garde là, il est pas... Il se rapproche pas là, de loin. Mais je vais me planquer dans la mine quoi. Je le vois pas. J'ai peur qu'il déboule avec son cheval genre de dessus du rocher là. Qui me saute sur la gueule. Je dois d'abord se débarrasser de ses sangs d'argent. Nous pourrons alors nous remettre au travail. Vous devriez aller voir Aintash si la mine vous intéresse. Ah, parfait. C'est ça que je veux. Moi, je fais du boulot et me planquer. J'ai juste peur. Parce que, techniquement, s'il fait sa ronde, après, il va repartir. Mais là, je sais pas où est-ce qu'il est. Et quitte à ce qu'il revienne, genre, une journée plus tard, c'est pas grave. Comme ça, genre, je l'attaque. Oh, merde. On fuit et tout. Et encore, voilà, et je suis solitude et tout, c'est... enfin je vais faire solitude et c'est cool quoi. Mais là c'est chaud là. Ah, une tâche, il est où une tâche. Non, barrique des mineurs, bon. Une tâche, c'était le gars qui parlait au début là. Ok, pas de garde ici. Ok. Semble-t-il qu'on l'a esquivé. Bon, on va aller voir l'intérieur de la mine. Au pire, ça fera passer le garde. Ok. On s'en est sorti. On s'en est sorti. On va voir s'il n'y a pas une tâche dans le coin, là. Salut. C'est nous qui faisons la loi dans cette putain, mine. Les sangs d'argent. Pas de geste brusque. Pas un chef, je sais pas, quelqu'un à qui je peux parler, là. Pire, tu sais quoi, je vais prendre une pioche et puis je vais miner et tout. Et puis... C'est nous qui faisons la loi. Oui, oui, je sais, ouais. Pas de geste brusque. Et puis je vais me refaire un peu de thunes parce que j'ai plus R, quoi. Il y a son père, quoi. Après, bonne nouvelle si. Mais ils se ressemblent tous ou quoi? Lol, des frères. Bonne nouvelle, c'est si le garde n'est plus à nos basques, quoi. Ah. La mine est fermée. Allez-vous-en. Je ne suis pas originaire de ces contrées. Je suis un mercenaire. Voici mes hommes. Les parjures ont attaqué il y a quelque temps. Comme le Jarl comptait ses hommes, les sangs d'argent ont généreusement proposé de nous envoyer faire le ménage. Tout ce que nous voulons, c'est que ce vieil autochtone nous remette ses terres pour payer nos services. Ensuite, nous partirons et tout le monde pourra reprendre le travail. Ok, bon, Ouais, non, c'est des sangs d'argent, donc techniquement, c'est pas nos amis, vu que c'est un peu eux qui nous ont mis dans la mine de Sinna, dans la tôle. Donc, voilà. Ah, on peut prendre des bottes et tout, tu sais. Ok. Intéressant. Donc, voilà, c'est... on va pas trop les titiller, quoi. Ah, mais il est là-bas, Intac? Non, c'est lui. C'est pas lui. Ouais, donc comme je disais, il y a les sangs d'argent ici, donc on va pas trop les titiller. Et ouais, si on peut rester une journée ou deux là. Ah, si, c'est lui. Quand ce ne sont pas les parjures qui attaquent ma ville, ce sont les Nordiques qui tentent de m'en expulser. Ah ouais, c'est pas cool. Hein. Folle ta barbe, ça va mal. Ah non, en fait, il a un truc sur le visage. J'ai un tatouage sur le visage. C'est rare pour des gens de la crevasse qui ne sont pas des Nordiques. Remarquez, cette situation n'a rien d'idéal. Les Nordiques pensent que je travaille pour les parjures, lesquels sont convaincus que je travaille pour les Nordiques. C'est du vol, voilà ce que c'est. Les sangs d'argent veulent me prendre mes terres par la force. Les parjures attaquent les mines et tout d'un coup, ces mercenaires sortent de nulle part pour aider. Tant que je n'aurai pas vendu, ils empêcheront tout le monde de travailler. C'est bien dommage. À qui le dites-vous?
Ouais, on va pas. Par contre, taper sur des tonneaux, ça a pas trop de sens. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Ouais, parce que on pourrait faire la quête, aider l'un ou l'autre, et travailler à la mine. Mais c'est encore dans la crevasse, c'est trop proche de Markarf. Alors, en plus, c'est des sangs d'argent, donc on n'a pas trop envie d'avoir affaire avec eux. Donc l'idée, c'est juste de pas trop titiller en fait, bah, ni l'un ni l'autre, quoi. J'aimerais bien, me poser quelque part. Et genre limite, là ce que je me disais, c'est genre j'attends la nuit. Ah, putain, on peut pas rentrer dans la baraque, quoi. J'attends la nuit, je vais piquer 2-3 armes armures là, dans les mines. Vous n'êtes pas d'ici. Ouais, je sais. Je n'ai rien à la vous mine dire. Qui produit est fermée. Et il n'y a pas de minerai dans l'autre. Les dieux m'ont maudit. On va voir ce qui se passe là-dedans. Voilà, genre, j'attends la nuit, je pique 2-3 affaires et je me taille vers solitude, quoi. Parce que là, de toute façon, là, la folle pertuis, c'est genre juste le temps d'une journée que je reste là, quoi. Et y a rien de plus, quoi. Bon, parfait, il y a une pioche ici. Tac, on va l'équiper. Retour la pioche. Je travaille à la mine, je chasse. Tout le reste ne regarde que moi. Je suis le bras droit d'Aintash. J'aide à superviser les mines. Bon, voilà, on va miner un petit peu. Faire comme si on travaillait un petit peu, quoi. Et ouais, je pense que si je peux pas rester là, en fait, genre si j'ai pas accès au baraquement notamment, bah ça sert à rien que je fasse autre chose, quoi. Tiens, ça peut être pas mal ça, là, de prendre une hache de bûcheron. Carottes, choux... Ouais, mais je vais pas manger ça cru, quand même. Pommes de terre. Farine, encore mieux, t'sais. Du sel, vas-y. Avec ça, au moins, je pourrais cuisiner, hein. Ouais, je regarde s'il n'y a pas des... C'est pas un truc genre une pomme, t'es... Ah, de l'eau, pas mal. Ça rajeune un peu ma stamina. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres filons à péter là-dedans? Non. Ouais. Je pense que je vais attendre la nuit. Pour me barrer, quoi. Ça me paraît un bon deal. De l'eau. Vas-y, on va tout prendre. Ah, parfait. Ah, mais je suis con, il me restait, je crois, des pommes que depuis la mine. Bon, c'est pas. Il n'y a rien ici. Ok. Et là, pareil, genre avec les filons que j'ai extraits, je peux faire quelques lingots qui vont me faire un petit peu d'expérience pour le niveau. Là, vraiment, le but, c'est que j'arrive à solitude. Et cache on m'aborde, quoi. Donc il faut vraiment que je sois niveau 10, quoi. C'est l'objectif. Alors. Parfait. Après, si je peux pas les vendre. Comment ça? 453 or? Mais ils sortent d'où? Ah mais oui, putain, c'est les... bah oui, quand ils m'ont rendu mon stuff, bah oui. Ouais, bah écoute, tant pis. Hein. Tant pis, je peux pas faire autrement. Bon, ça, on peut le jarter. Ça aussi, en soi. Ça me fait chier, c'est que je puisse pas... Ah, attendez. Iron, 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 parfait. Bah, finalement, ça va me servir. Ouais, genre la hache, regarde si elle est pas plus puissante que la pickaxe. 8, bon, c'est pareil. Genre, je me dis... me battre à la hache, je sais pas, ça fait plus de sens que de se battre à la pioche, qui... Elle est plus un outil avant tout qu'une arme. Une hache, pour moi, a plus de sens d'être une arme aussi. Pourquoi je peux pas... Je n'ai pas les composants. Bah, j'ai pas Aeron dans mon... inventaire. Ah non, c'est Silver, merde. Bon, c'est pas grave. Ça fait chier que je puisse pas rentrer dans les baraquements, puis il y a elle au-dessus.
Pas de quoi tanner le cuir. Quand ce ne sont pas les parjures qui attaquent ma ville, ce sont les Nordiques qui tentent de m'en expulser. On va attendre un petit peu. On va boire de l'eau. I feel a little sick after drinking the water. Merde. On va manger une pomme. Qu'est-ce que j'ai chopé comme maladie? C'est donc quoi effet actif? Chance of infection. Oui, alors. Bon, bah. Ok, je suis un peu malade, je sais pas pourquoi. On va attendre un petit peu. Est-ce qu'il rentre pas dans la baraque que je puisse le suivre? Qu'est-ce que tu fais? Ah putain, il s'assoit le con. C'est qui ça? Oh putain, j'ai eu peur. C'est qui ça? Oh putain. C'est moi, ils viennent. Non, pourquoi vous venez vers moi? Bon, très bien. Ok, clairement, ils viennent pour moi. Tant qu'ils me parlent pas, au pire. Lol. Au pire, ils me parlent. Je fuis. Ouais, allez. Je peux vous aider? Ah bon, bah vas-y, bon. Oh putain! Dis votre nom. Sans prévenir, quoi. À l'aide, quelqu'un! Ouais, ouais, à l'aide! Eh, venez vous battre. Y'a personne qui m'aide, quoi. Ok, bah, let's go. Wow, en plus ils sont racistes. Ok, parfait, j'ai un niveau. Et vous allez faire quoi? Bah je vais te tuer. Ok. C'est la merde. Ok, très bien. Très bien, parce que du coup ça me fait gagner un niveau déjà premièrement. Je peux avoir un peu de stuff, d'autant plus, et ça me fait aussi un prétexte pour me barrer, parce que genre j'arrive et tout, bon, je fais style, je bosse à la mine, nanana, et genre il y a des thugs qui viennent m'attaquer, voilà, en plus il y a un contrat. Voici la somme convenue, j'espère que vous donnerez une bonne leçon à cette racaille de Logob. Kérin, c'est qui Kérin? Waouh, je sais pas qui c'est. Vous êtes une meuf de Markarth. Qui doit pas être... C'est qui Kérin? Parce qu'en général, ces trucs-là, c'est quand on tue quelqu'un et genre la personne proche veut nous retrouver. Qui c'est que ça peut être? Pareil, j'essaierai de retrouver dans les vidéos précédentes, voir si j'ai pas un indice. On va prendre ça. Ok, on va prendre l'or. Bah, visiblement, j'en ai suffisamment. Et ouais, du coup, ça nous fait voilà un bon prétexte pour se barrer. En plus, on a genre armure en peau, donc on va pouvoir la porter. Des bottes et des bracelets. Après, niveau... non, mais je sais ce que c'est. Niveau arme. Alors, le surin, je le garde parce que c'est cool. Pickaxe, maintenant, on peut la lâcher. La hache. Ouais, on va la lâcher. On va juste, du coup, leur piquer. Une Iron War Axe. Parfait. On va mettre en favori, d'ailleurs. En tenue, ça, je peux... tout lâcher, parfait, là, maintenant, moi, j'ai une certaine gueule. On peut pas leur donner les clés, non? Quelques grenades que j'ai récupérées, les lockpicks. Ah, l'or. Faut se dire que tout mon or, alors, déjà, si j'avais un go aussi, tout mon or, faut se dire que, dans la prison, bah, je l'ai pas retrouvé. Donc, clairement, je suis à poil. J'ai pas d'or, en fait, sur moi. Allez, juste peut-être prendre 2-3 pièces d'or, là, qu'on a retrouvées sur eux. Histoire de dire... Voilà, mais en fait là, on est vraiment à poil niveau or, donc les grenades permettront de les revendre et vraiment de se dire voilà, je me suis constitué un petit pécule d'argent. Donc ok, bon prétexte. Je sais que j'arrête beaucoup la partie, mais c'est vraiment pour réfléchir parce qu'il y a tellement d'infos et que j'essaie vraiment de me dépatouiller au mieux. Mais ouais, genre bon prétexte pour se dire quelqu'un nous en veut, nous a retrouvé, genre nous a vu sortir de Markarth, a engagé des mercenaires. C'est de fouiller toute la crevasse, ça pue la mort, de toute façon ça ne serait tardé. Et du coup, bon prétexte pour
Fuir! Quand c'est pas les gardes, c'est les mercenaires qui nous en veulent. Personne ne m'a aidé en plus ici. Je comptais genre aller dans la mine, la descente d'argent pour leur piquer de la... quelques armures, mais finalement ça c'est pas trop mal. J'ai un peu la classe, mine de rien. Les couleurs sont très belles, merci les mods. Sur les textures des objets. Et du coup voilà, on va aller... Il est quelle heure? 6h de l'après-midi. Oh putain. Et des soldats impériaux, ok, génial. Ok, Berserker, ça ira plus vite. Bouffe! Voilà, parfait. On se casse de la crevasse, c'est clair ou pas? Parce que même si les impériaux me recherchent, je sais pas du coup à combien s'élève ma prime maintenant. J'ai pas vu de petite annotation, donc peut-être qu'elle est toujours à 200. C'est moi qui la voulais finalement la prime. Hein. J'étais en mode, ouais, je veux avoir une prime sur ma tête, bah j'en paye les frais. Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse gaffe quand même à Pondragon ou à... À Solitude. Quitte à repasser un séjour en prison à Solitude. Tant que c'est pas à Markarth, ça me va. Hein. Alors là, on est où? On va aller là, ok. Pondragon, c'est là, là. On voit un peu ici. Ça va, je suis encore loin. Je suis niveau 8, d'ailleurs je vais passer mon niveau. On va mettre en santé. Speech, c'était à combien que je pouvais? 50, donc ouais, non, c'est pas maintenant. One-handed, non, bloc, non. Forgeage, c'est où je l'ai passé? Non, c'est là. Bon, on va garder le point pour plus tard, c'est pas grave. Et en passant les niveaux, d'ailleurs, voilà, toute notre mana et notre santé se... Enfin, toutes nos barres se rechargent, ça c'est cool. C'est un peu cheaté. C'est quoi ça? Putain, encore des impériaux. Ok, alors ça c'est un comparjure, donc c'est bon. On passe par là. Hop là. Je pensais que c'était moi qu'ils avaient repéré, mais non. Donc on se dirige vers le nord. L'idée, c'est de trouver un petit endroit là pour passer la nuit, quitte à manger, dormir si possible, ce serait royal. Rejoindre Solitude avec le niveau 10 et commencer cette foutue garde de l'aube. C'est périlleux là depuis 24 heures là. Oula, c'est quoi ça? Putain, c'est un lapin. Je commençais à avoir flippé d'un lapin. Donc on va continuer, pardon, vers le nord, quitte à voilà, éviter les grandes routes. Il y a une grotte là, il y a du feu, est-ce qu'on pourrait pas trouver genre un camp de bandits qu'on peut décimer et... Refuge du menteur. Ah bah pas mal ça. Je vais faire une sauvegarde rapide. Liar's Retreat. Et voir si on peut pas y passer la nuit. Juste la nuit. Parce que là ça fait du sens, enfin là moi j'aime bien justement la quête que je fais, c'est... Très RP, c'est un peu au moment, je réagis un peu au moment même. Oula, putain, ça se bastonne là. Putain, c'est des Falmer. What the fuck. Des Falmer, mais qu'est-ce que ça fout là-dedans, des Falmer? Putain, ils font mal les cons. Waouh, ils vont me tuer, ok. Ils m'ont tué. Génial. Putain. Je suis toujours un novice pourtant dans ma partie, non? Ouah, les gargouilles. Pète sa mère. On en affrontera dans la garde de... la quête de la garde de l'aube, pardon. Et puis en armes, j'ai rien d'autre à part, ouais, mon petit surin... pas aller loin avec ça. Bon, on va essayer de les laisser s'entretuer si possible. Ok, il y en a 3, 4, oula, il y en a plus même. Ah, ça fait peur ce con. Oh!
Waouh, mais ça va être dur là. Putain. Misère. Ça paraissait un super endroit pour passer la nuit, mais. Visiblement, les Valmeurs ne valent pas. On va voir s'il n'y a pas une autre chance. Sinon, bah, c'est simple, on va se barrer. Hein. Si d'ailleurs, oui, s'il retourne dans la pièce d'à côté, au moins je pourrais peut-être plus me faufiler. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'entends un mec. Genre, le Falmer, il est là-bas, genre derrière le comptoir. Je vous sers un verre, monsieur, tu sais. Enfin, ouais, j'entends un mec. Il a pas l'air d'être. Trop préoccupé par ce qui vient de se passer. Ok, oh, putain, il n'y a rien juste là. Vas-y, on va piquer l'or. Les Falmer sont censés être aveugles. Du pain, c'est parfait. Ah putain, c'est quoi? Ça peut peut-être me sauver la mise, cette potion là. Ouais, par contre, si lui il me balance des boules de feu. Ah, potion. Ok, un moins. Ah ouais, mais l'autre, s'il se pointe aussi, c'est mort. Ah putain, dur. Ouais. Je pense qu'il y a moyen, enfin pas de les éliminer comme ça au corps à corps, ils sont trop forts. Je regarde là justement le... Je suis un novice, quoi. La difficulté la plus basse, quoi. Je vais mettre un point en light armor, peut-être que ça va me protéger un peu plus, bon. Putain, il y en a un qui arrive, non. Il me cherche et mon œil est en train de se... détecté, mais genre je suis derrière un mur. Putain, ils se ramènent tous. Ah, y'a derrière là. Lui aussi il est derrière le mur. Voilà, mais je défonce les fesses là. Petite toupie au passage. Bon, on va essayer une dernière fois. Sinon, bah, je vais charger la sauvegarde précédente avant de rentrer dans le fort. Sinon, c'est absurde, quoi. Putain, merde, je pensais que c'était genre juste des hors-la-loi que j'aurais pu battre facilement, moi. Parce que les Falmer, ils sont censés être aveugles. Pas bouger les cons. Hein. Ah, il y en a un là, deux là-bas, là je vois. Et oh, je crois qu'ils sont tous, ils sont 4 ou 5. Et puis ouais, il y a le mec qui parle, genre tu veux pas venir? Putain. Non, il n'a pas bougé quoi. Si on a que 3, peut-être que je peux les gérer. Ok. Là, il y a plein de points qui sont rajoutés. Waouh. Ok, bon, c'est mort. On va recharger. Qu'est-ce que j'ai comme sauvegarde? C'est bon, ça m'a saoulé. Ouais, vas-y, on va faire celle-là. J'aurais perdu trop de temps. C'est con, ça faisait un bon repère, mais bon, tant pis.
On va en trouver un autre, hein, tant pis. Ouais, si je peux pas le passer, tant pis. Hein, je vais pas forcer. Hein. Combien de temps on est là? Ouais. Ok, donc là on a dit, c'est pas là qu'on ira. Il y a une sorte de petite baraque là, peut-être qu'on peut y aller. Moins dangereux. Oh, putain, il y a un smilodon. Bon, lui au moins, peut-être qu'on peut se le faire en 1v1. Il a dû repérer une proie. Vas-y, on va l'attaquer. S'il attaque pas ce con. Voilà. Bon, je m'en fous de tout ça en fait. Hein. Ouais, la petite baraque là, je sais pas c'est qui y habite. Est-ce qu'il y a des gens qui y habitent seulement? Ah, on voit celui de loin là. Parfait. Genre c'est un chasseur, je lui défonce la gueule. Ah, il est là-bas. Par contre, je pourrais pas dormir ici. Oh putain, si. Parfait, franchement parfait. Ok, ce sera pas Good Guy Logob, mais genre parfois il faut. Il faut pouvoir voilà, se défendre quoi. Au point où on en est. Merde, putain, il est rusté. Venez donc. Hein? Voilà, on a dit que c'était le premier coup. Hein. Voilà, parfait. Oh. Eh ben, en plus, ça tombe. Ok. Faut bien passer la nuit, moi je dis. On sera bien planqué là. Très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? Ah, on pourra faire du cure et tout. Qu'est-ce qu'il y a dans le tonneau? De l'eau, parfait. Il est quelle heure là? Ouais. Parfait. Un petit peu d'XP. Oh, on a de la gueule quand même, mine de rien. Donc ce qu'on va faire, c'est... on va prendre les pots là. Toutes les pots qui sont là. Faire du cuir, ça va nous justement faire de la... De l'XP. C'est parfait. Alors voyez là, c'est voilà, comme je disais dans le premier épisode, tous les modes... Enfin, le mode qui permet de crafter vraiment tout et n'importe quoi. Donc c'est cool, on peut... Ouais, genre les trucs des... De bourreaux, on peut les... Cagoule de bourreau, on peut les faire, donc voilà. On peut faire des gants, mais des gants j'en ai déjà. Voilà, niveau 9. Parfait. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que je peux... Ouais, non, non, il y a vraiment rien d'intéressant en tenue. Donc on va faire toutes les liver strips du monde possible. Ça en fait beaucoup, là. Yes, ça, au moins on va être niveau 10. Direct. C'est moi qui respire fort comme ça, là. Il n'y a pas d'endroit pour cuisiner. Pareil, je prendrais bien l'arc, les flèches. Qu'est-ce que ça fait sur moi? Juste pour voir. Vas-y, hein, ça peut servir. Hein. Allez, ça peut servir. On va quand même... Continuer de se battre à la hache, mais vas-y, ça peut servir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? C'est con qu'elle soit tombée l'autre. Ah ouais, elle est vraiment tombée quoi. je suis venu à gagner des niveaux en forgeage. C'est abusé. Bon alors, on va manger. On a quoi du coup? Dirty water. Vas-y, on peut la drop. On a des pommes surtout. J'ai combien de liver strip? Ah, j'en ai 96, ça fait pas de sens. Mais ça prend pas de place quoi. Je pourrais m'en resservir plus tard, quitte à les vendre s'il faut. Du coup, maintenant on va passer les niveaux. Niveau 10, voilà. Pouah, je suis même niveau 11. Niveau 12! Bam! Qu'est-ce que tu vas faire?
Archerie, vas-y, on va mettre un point. Ça pourrait être utile justement pour quand on utilisera la barlette plus tard. Une main, non, je peux pas faire plus. Smithing, peut-être que je peux faire un truc, ouais. Avec tous les points que j'ai. Permet de créer des armes, mes armures elfiques. Non, on s'en bat les couilles de ça. Dwemer, ouais. Permet d'améliorer les armes, les armures magiques. Ouais, mais ça m'intéresse pas tout ça. Après, il y a quoi? Ah, orc. Débonite, Dédra, Dragonborn, de verre. Et ça c'était quoi? Bon écoutez, on va faire ça. Voilà, ça permet de faire des trucs orcs. Ça fait du sens du fait que nous sommes nous, également nous un orc. Bloc, je l'avais déjà mis ou pas? Ah oui, bah vas-y, on prend mettre deux. Ça on peut pas, on dit Light Armor, j'ai déjà mis un point ou pas? Quoique j'ai pas forcément envie d'en mettre un parce que plus tard armure lourde ça m'irait bien aussi. Sneak, non c'est pas trop mon truc. Ah oui en speech, non ça a pas évolué. On va garder le point. Attendez, je regarde juste l'heure. Ok, on va garder le point pour plus tard. On va dormir. Il est 8h en vrai, il est pas tard. On va dormir. On est là, ok, on n'est pas loin de Solitude, c'est cool. Donc comme ça, demain, on va clairement arriver à Solitude et c'est clairement parfait dans ce que je veux faire. Donc on va dormir, genre, allez, 6h, ça fait quoi? Ça fait 2h du mat, 3, 4, allez, 8h, c'est bien. On va se diriger vers Solitude et normalement, là-bas, on devrait être tranquille, on devrait pas se faire agresser par toute la police. Voilà. On part en pleine nuit et on devrait voilà, pas se faire agresser par toute la police et rencontrer un agent de la garde de l'aube et pouvoir enfin commencer cette quête. Alors, on va boire et manger. Parfait. On va sauvegarder. Et je vais arrêter l'épisode ensuite. Parce qu'on est déjà genre à plus de 40 minutes. C'est cool, j'aime bien là. J'aurais pu ne pas forcément tuer l'autre chasseuse là, mais ouais, trop tard. Je sais pas, ça me semblait logique de le faire. Au point où on était, puis surtout pour utiliser sa baraque. Tant pis. Hein. Au point où on en est, un meurtre où, en plus en moins. Bon, là-bas, il y a des tentes. On va pas trop... pas trop y aller. C'est Pondragon ça? Mais non. Mais non. Ça y ressemble. Alors attendez, j'ai un peu peur parce que là, il y a un garde là-bas. C'est quoi cet endroit? C'est un camp impérial. Ah mais attendez, c'est un camp impérial. Ah oui, c'est ça, je crois. What the fuck? Oui? Pourquoi des nordiques ici? Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Eh ouais! Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Faïez. J'ai presque envie de me joindre à eux. Ah bon, ouais. Par contre, j'aimerais bien me faire aborder par un... Ah putain! J'aurais pas dû faire ça! Parce qu'à tous les coups, ça m'a niqué la quête! Attendez, on va recharger là. On va pas parler aux gardes impériaux parce que si c'est eux qui me lancent la quête, ça détruit tout mon truc. Parce que, oh putain, je me suis pas rendu compte, mais dehors c'est le déluge. Lol, peut-être que vous entendez au micro, parce que vu que j'ai mon casque, moi je l'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Mais dehors ça pleut comme vache qui pisse. Ouah, j'ai viens de voir un éclair. Oui, donc je disais, ouais, moi je veux que ce soit un mec de la garde de l'aube qui m'approche. J'ai plus de sens, encore une fois. Et non pas les soldats impériaux qui m'en parlent donc. Allez vous faire foutre, et en fait là voilà c'est pareil, c'est un truc d'un mod qui juste avant Pondragon voilà bah, rajoute voilà plus de gardes etc donc c'est cool et donc je vais les sauvegarder là, juste devant le fort, enfin juste devant le pont plutôt. Il y a même un barde parmi les impériaux, lol. Ah moi je trouve ça sympa hein, franchement ça rajoute des.
ça rajoute de la vie. Et ce qui est bonne nouvelle, c'est que visiblement ils ne m'ont pas repéré, enfin ils me connaissent pas, donc c'est bien. Il y a plein de gardes impériaux. Voilà, Dragon Bridge. Parfait. Il y a une taverne, je crois, en plus, la Dragon Ridge. On va voir si je peux pas m'y poser un peu. Ah putain. Je vous cherchais. Mais non, tu me cherchais pas. Vous remettre en main propre uniquement. Qu'est-ce que ça peut être? Voyons cela. Ah, une lettre du Jarl. On grimpe dans l'échelle sociale. Oh là là, mais ça fait pas de sens. Je ça. Crois que c'est bon. Je dois y aller. J'en ai marre que les choses ne font pas de sens. Attendez. Sitzger, c'est d'où ça? Ah putain, mais oui, c'est par rapport au truc Airfire. Bon alors attendez. Non, je veux pas en fait. Putain, il casse les couilles en vrai. On va recharger. Je veux pas que le mec m'approche. Bon, je pense que c'est inévitable hein, pour être franc. Au pire, c'est pas grave hein. Ah ouais, c'est le déluge dehors quoi. Il est combien de temps là? 41 minutes à ma caméra. Ouais, j'aimerais bien que le messager ne m'approche pas en fait. Parce que ouais, je sais qu'il y a une auberge là. Bon, déjà on va sauvegarder rapidement ici, voilà. Oui. Pourquoi il y a des Nordiques qui sont ici? Bizarre. Enfin, qui attendent en queue comme ça, je sais pas. Pourquoi. Mais ouais, il y a une auberge, je crois, là, à Pondragon. Donc ce serait pas mal si je peux y aller. Pareil, y passer quelques heures. Mais bon, s'il y a un messager qui vient me casser les couilles. Je suis sûr, il va me venir me voir. Je vais se regarder rapidement là avant d'atteindre la ville, mais je suis sûr il va repoper en fait. C'est juste, ouais, niveau 10, c'est le mode Earthfire en fait. Je sais pas si c'est niveau 10 d'ailleurs, mais il me semble que c'est le mode Earthfire, parce que là il me parle de Falkreath, donc Épervine. Donc Épervine, j'ai jamais mis les pieds, donc ça fait pas de sens quoi. On va voir. Pareil, il va sauter là. What a ninja, tu sais, le ninja messager. Qui tient un peu trop son boulot à cœur. Alors, on parle à personne, à aucun garde, pour pas qu'il débloque les dialogues avec la garde de l'aube. Ok, le messager il est pas là. Je suis sûr il va surgir par derrière. Une forge. Ouais non, on va essayer de se poser un peu le cul à l'auberge. Oh putain, il est là. Non! Tu me trouveras pas! Non, lâche-moi! Au secours! Garde, aidez-moi! Est-ce qu'il va rentrer dans l'auberge? J'ai combien d'or déjà dans. 10? Ah ouais, non, je me suis dit, vas-y, je vais acheter un truc, mais en fait. Il y a R. Putain, il y a aussi pas de chaise là? C'est pourri que leur taverne. Personne pour vous accueillir. Bon. On va s'asseoir ici. Et je vais stopper l'épisode. Je vais sauvegarder. Je vais stopper l'épisode en espérant que le messager se sera barré. Voilà. Et on ira à Solitude demain. Et bien voilà. Donc fin de l'épisode. Et puis ben, on se retrouve pour le 5e, c'est ça? Moi, je sais même plus.